Bienvenue sur dbtribe.com, un outil fait par des icos pour des icos. Alors une petite vidéo là, on est loin des outils de booking, on est plus sur la partie un petit peu communauté, transmission, qu'on a envie de faire passer, c'est-à-dire des musiciens qui ont un petit peu de background, qui ont tapé un petit peu de route, qui ont tapé dans la butte, peuvent en tous les cas transmettre un petit peu leur expérience, leur vision un petit peu du secteur, leur vision de comment gérer un groupe. Donc on a mis en point un petit truc qui s'appelle le Zikopédia. Donc là, en fait, vous avez juste à aller sur la bulle centrale, vous allez dans communauté, et là, vous cliquez sur la fonctionnalité Zikopédia. Vous allez atterrir donc sur une sorte de forum, une sorte de Wikipédia, voilà, qui est open source. On peut abonder dans ce sens. Et là, en fait, il y a tout. En fait, c'est une sorte de guide du routard. C'est toutes les conneries qu'il faut pas faire quand on est un Zikos, voilà, pour gagner du temps et économiser son énergie. Alors ça commence bien sûr là quand on crée un groupe, la création, quoi. Ça passe aussi par la production, la diffusion. Voilà, on a appris, on a écrit des petits articles, par exemple, voilà, chercher des concerts. Par exemple, voilà, j'ai jamais fait de phoning. En gros, le phoning, c'est quelque chose de totalement étrange pour moi. Donc là, on a écrit un petit article, comment se comporter au téléphone. Voir, par exemple, c'est avec un patron de bistrot, avec quelqu'un qui est salarié, pour une association, un festival. Donc voilà, c'est des petits conseils pratiques, avec des liens internet aussi, parce que des copains qui partagent des expériences, il y a plein de vidéos super intéressantes. Donc on a essayé vraiment de compiler un maximum d'informations dans un seul et même endroit, pour aider les projets qui émergent à mieux voir ce qui se passe. On a aussi, on s'est appliqué aussi à faire un petit décryptage, parce que on a beaucoup de fantasmes par rapport au monde de la musique, et surtout pour quand un jeune Zikos commence, on va devenir des stars. Non, on est là avant tout pour donner, partager de l'émotion entre musiciens, et pourquoi pas après avec un public. Et tout ça, malgré tout, on est dans une industrie. Une industrie qui est féroce, une industrie qui a ses règles, ses lois. Et on a écrit des petits articles justement qui assez vulgarisés, pour expliquer dans quoi le musicien d'aujourd'hui évolue. Donc bien sûr, vous pouvez abonder, écrire des articles, partager vos ressentis, vos expériences, en nous soumettant vos articles par mail. Voilà, sur l'adresse mail contact@dbtribe.com, et bien sûr on les mettra en ligne. Merci à tous d'avoir écouté cette petite vidéo, d'avoir été jusqu'au bout de cette petite vidéo, et puis on vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Ciao ciao, Kenavo.